Coucou, bonjour à Coucou. tous, je suis avec Léa. Coucou. Et on fait enfin le déballage de la 3DS XL Rose. Et oui, depuis, je sais pas, Ça fait un an que tu l'as acheté. ouais, ça doit être un peu ça. Et en fait, voilà, je l'ai acheté parce que je la trouvais trop belle et en même temps je la déballais pas parce que j'avais la 3DS XL Rouge. Donc j'avais pas intérêt à avoir 36 000 DS en circulation, d'autant plus que j'ai la bleue lagon. Voilà, Et d'autant plus que j'en ai qu'une, moi. et Léa, elle a la 3DS rose. Donc là, La tu peux la petite. montrer si tu veux. Qu'elle La a petite, moi. customisée. Voilà, elle a la petite rose. Voilà. Donc, bon, mais ça faisait un peu beaucoup. Et puis, comme vous le savez, ma 3DS XL rouge a plus ou moins rendu l'âme. C'est-à-dire que la gâchette droite reste coincée, ce qui fait qu'il y a des jeux. Où il est quasiment impossible de jouer, style Mario Kart 7, style ACNL, parce que du coup on court tout le temps. Tu peux voir ce stylo? Style. Donc hier j'ai essayé la démo de Super Smash Bros. C'est pareil, c'est en mode défense tout le temps. Enfin bon voilà. Donc j'ai décidé d'ouvrir la 3DS XL Rose et d'y installer grâce au code que vous m'avez. Passer, je vais faire une petite dédicace après, d'y installer donc la démo de Super Smash Bros. Voilà. Bon, donc je vais vous donner mon nouveau code ami, patati patata, et on y va, c'est parti. Allez! Je Dommage, il n'y a pas Alexis avec son bruit de chiottes. ne sais Roulement de tambour. Allez. Au revoir, le truc bleu qui nous aimait. Bon, pourquoi je dis Regarde, dommage. j'ai entouré. Pourquoi je dis dommage qu'il n'y ait pas Alexis avec son bruit de chiottes? C'est parce que Alexis, pendant un live, donc grosse dédicace à toi, Alexis, il a voulu nous faire un roulement de tambour. Et en fait, il s'était pas rendu compte pendant le live que nous, on entendait un bruit différent qui ressemblait à une chasse d'eau. Et du coup, voilà. Bon, j'espère que tu vas bien, Alexis. Donc voilà, la 3DS XL rose. Pink. Voilà. Donc, je vais la retourner sous toutes ses coutures. Voilà. C'est toujours un moment émouvant, l'ouverture d'une console. Donc, je vais faire attention à sa boîte. Je réfléchis un peu à des explications. Bon, ce que je vais faire alors, comme ça. Je vais faire comme ça. Ah! Elle va détruire la boîte. Non, t'inquiète pas, ça lui fait pas mal. Bon, moi je remplis ça. Crayon là. C'est quoi ça? Waouh, on a une carte cadeau en plus. C'est trop cool. Trop cool, on a une carte cadeau avec. Donc, on a. Ouais, c'est quoi ce truc là? La carte VIP. Ouais. Faut que je rentre le pin avant de vous. J'ai montré le pin à tout le monde, donc je vais vite aller sur le club Nintendo avant de mettre en ligne cette vidéo. Donc ne rentrez pas le code, ça sert à rien. Après, donc les notices patati patata de 3 kilos. Il y a un truc derrière là. Et les cartes. Il y a les cartes. Les nouvelles cartes. Les cartes. Je les ai déjà. Je sais pas s'il y a les mêmes en fonction des consoles. Je les ai déjà toutes. On a quoi, nous? Ouais, c'est les mêmes. Moi, je les ai déjà toutes, celles-là. Tu les as déjà toutes. Ouais. Tout ça, je les ai déjà.
Voilà, Mario, Link, Kirby. Kirby. Pikmin. Ah non, il n'y avait pas celle-là dans les autres. T'as ça toi? Non, j'ai pas celle-là. T'as lesquelles toi? Je les ai toutes sur celle-là. Ah d'accord. T'as les Pikmin? Oui, j'ai Pikmin. D'accord. Bon bah ok, voilà. Alors, peut-être que je l'ai perdu. Je crois que j'avais que je l'ai perdu. Waouh! Et enfin. Donc. La même que jaune. Ah, là, voilà. J'aime pas le bruit du carton. Oh. Attends. Comment je vais faire ça? Ah, c'est bien. Je trouve la bien. Attendez. Oh. Attends. Ah. Je remets tout in the box. Non, on va le bruit du carton. La crève avec Léa. Oh, comment elle est belle. Alors en fait, celle-là, je ne savais pas qu'il y a deux pouces. Elle est toute douce. Hein. Alors je peux vous dire que celle-là, je vais pas la mettre dans mon sac comme ça, comme une sauvage, comme j'ai fait avec la rouge. Je la mettrai toujours dans sa protection parce que voilà quoi. Je pense que c'est pour ça que ma gâchette droite s'est pétée sur l'autre, c'est que en fait elle n'est pas pétée. je la mettais dans mon sac directement, quoi, sans mettre de housse. Donc voilà, donc là je vais la protéger maintenant. Alors attendez, ça c'est joli, moi je le veux. Hop et voilà. Franchement elle est classe. Hein. Il est cool, pas hein. Ah, elle est classe. Hein. Franchement elle est classe. Mais du coup, est-ce qu'elle va être chargée? Pas sûr. Tiens, il n'y a pas de chargeur avec. Il n'y a pas de chargeur. Bah, c'est le même que chargeur que l'autre. Oui, d'accord, mais... Bah tiens, tu peux aller chercher le chargeur, s'il te plaît. Pourquoi? Ben... Pourquoi tu veux un chargeur? Faut appuyer sur France et... Tu peux aller me chercher un chargeur? Bah, on va la mettre à charger, parce que je pense pas que... Assurez-vous que le curseur est poussé jusqu'en haut, puis touchez suite. Oui. J'ai un petit chien. Merci. Tiens, branche-le là, s'il te plaît. Tenez, la console, comme illustration, puis touchez suite. Attendez. Faut que j'arrive à attraper le bout déjà. Toucher image 3D pour effet de projection d'image. Mais tout ça, on le connaît. Non, mais faut le faire. Attends. Waouh, hein, j'arrive. Trop bien. Alors, régler la date et l'heure. On est le combien là? Le 14. Attendez, il y a un stylet rose. Waouh. Ils sont beaux. 14 septembre 2014. Ah, c'est marrant, c'était paramétré sur 2012. Quelle heure il est? Parce il est 10h04. Parce qu'elle est sortie en 2012, c'est pour ça. Ben, je pense, ouais. Ok. Moi, bon, je vais brancher l'autre bout. Alors, attendez. Ah, ben, ils la mettent quand même à 2 barres, ça va. Alors, profil. Alors, pseudo. Ça n'est pas bon. Anniversaire. Pourquoi ils veulent la date d'anniversaire en fait? Je sais pas. Si vous savez, mettez-le dans les commentaires. Ah oui, parce que sur les jeux comme ça et tout, ils savent. Tu l'as fait ça sur la grande rouge? Bah oui. Ah, tu pourrais me la prêter alors la grande rouge? Je t'ai dit oui. Ouais. Et moi je peux remplir ça? Oui. La
Tu peux aller me chercher un mouchoir, s'il te plaît. Je remplis une paperasse. Alors, les paramètres internet de la console. Bon, maintenant je vais couper la 3D. Donc. Alors. Ok. Donc je vais rentrer ma connexion. Je cherche un point d'accès. Léa, tu m'amènes un mouchoir, s'il te plaît. On a attrapé une de ces crèmes, je ne vous raconte pas. Alors, je choisis donc mon réseau et je vais rentrer mon code de... Tiens, tu peux fermer maintenant parce qu'il va falloir qu'on voit la console. Merci. Tu peux fermer. Donc Léa, mon assistante, s'occupe du technique. Alors, ma clé de réseau. Donc... Ah bah, tu fais doucement, s'il te plaît. Donc, je rentre ma clé de réseau, si je la retrouve. Voilà. Donc, on teste la connexion. Merci beaucoup. Tu veux la lampe ? Non, c'est bon là. Merci. Ok. C'est Alors, contrôle parental. Non, on n'en a pas besoin. Je vais contrôler moi-même. Et donc, home. Alors. T'as dit home. Alors, moi j'aime bien l'affichage comme ça. Voilà, donc bah, les trucs basiques au départ. Donc, mon code ami. Ah, il faut que je crée mon Mi d'abord. Un nouveau Mi, ouais. Ouais, un nouveau Mi. Alors, comme j'ai un peu changé de tête, parce que mes cheveux ont poussé, mes lunettes sont passées au-dessus de mon nez, au-dessus de ma tête, plutôt. Voilà. Bah, donc, je vais changer mon Mi. Ça, ça va faire mieux. Donc... Alors, tes lunettes, c'est eux pour mettre sur ta tête? Non, je vais le faire, mon Mi. Oui, mais sur ta tête, toi? Non, non, ça va. Oh. Alors, on y va. Donc, manuellement. Ouais. Alors. Tu le fais jamais à partir d'une photo, toi? Non. Moi, j'aime pas faire à partir d'une photo. Non, je vais faire ça. On va faire comme ça. On va dire que je suis bronzée parce que c'était les vacances il n'y a pas longtemps. Donc, je parle de ça. Après, mes cheveux. Alors, c'est là où ça a changé, en fait. J'ai les cheveux qui ont un peu poussé. Là, c'est un peu comme ça, maintenant. Ouais, parce qu'il n'y a pas de frange comme ça alors. Ta frange est droite. Pas toujours. Comme ça, c'est bien. Mais c'est comme ça. Ah non, noir. C'est quoi ce truc? C'est mes sourcils, comme ça. Mais non. Non, comme ça. Non. Non. Ça c'est mieux quand même. Tac. Mes yeux. Alors mes yeux. Moi j'aurais dit les premiers là. C'est pas grave. Non, pas ceux-là. Ça c'est pas mal. Ouais. C'est mignon. Tu m'as un sourire avec. Oui. Bon, moi j'ai un petit nez, enfin pas, pas je pense, j'ai un nez. Hein. C'est moi qui ai un petit nez. Toi t'as un petit nez comme ça, toi. Enfin, mon nez, voilà. Moi j'ai un petit nez. Ouais, moi, ma bouche. Petit nez.
Comme ça? Oui, avec du rouge à lèvres. Mais on la descend un peu. En rouge. Non. En rouge. Non, je vais la faire descendre un peu. Non. Bah le nez aussi d'ailleurs, parce qu'il est un peu. Voilà. C'est mieux comme ça. Ouais. Je vous montre. Là, ça fait noir. Parce que là, ça fait marron. C'est bien. Le rouge à lèvres, on peut choisir la couleur. Oui, rouge. Non, il est un peu foncé. Mais... rose. Comme rose. Ça. Oh. Bah, si, il est un peu marron. Oui, mais maintenant, tu mets plus du marron, tu mets plus du rose. Maintenant. Et puis, le marron, ça fait lèvres sèches. Je te jure. Le marron, ça fait lèvres sèches. Oui. Ah non, je vais laisser comme ça quand même. On verra après. Bon, alors. Alors, les lunettes, moi je veux les mettre au-dessus de mon nez. J'ai des lunettes comme ça, mais je veux les mettre au-dessus de mon nez. Des lèvres. Oups, non, elles sont rouges tes lunettes. Attends. Ça fait roro. Ça fait roro. Ouais. Ah voilà, ça c'est mieux. Alors, on peut les. Voilà. Ah ouais, classe! Ah, je peux pas les lever plus. Non. Ça, c'est bête, monsieur Nintendo. Bah, hein. C'est joli comme ça. Hein. Ouais. Je les mets plus haut quand même, hein, normalement, mais bon. Bah, moi, j'ai bien fait un nœud avec la bouche qui était là. Hein. Alors. D'accord. Et bon, j'ai un peu grossi quand même. On va faire comme ça. Et je suis grande. Mais c'est vrai qu'elle est grande. Voilà. Et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc, sur moi. Ben, c'est Sunny. Sunny. Bob. Favori, partage, oui. Ah non, copie interdite, voilà. Moi j'aime pas, ouais, je mets toujours copie interdite. Anniversaire. C'est quoi le code de postal? Attends, je vais te le dire, après. Ok. Ah, c'est où? Là, code postal en dessous de l'adresse. Là? Oui, là. Merci. Créateur. Oh, Sunny Boob. Sunny Boob? Bob. Copie interdire. Ok. Sauf alors, donc c'est moi. Hop. Yes. Ok. Toc. Retourner au menu. Donc maintenant, je vais peut-être avoir un code ami. C'est vrai qu'il y a un bonbon. Après, tu vas mettre dans la petite poubelle. J'en ai trois à mettre dans la petite poubelle. Ils sont là-bas. Mais vas-y. Voilà. Trois dans la petite poubelle parce que... j'en ai utilisé trois. Alors, sélectionnez votre logiciel favori. Moi, pour l'instant, on va mettre celui-là. Voilà. Allez. Indiqué, oui. Ça, tu le feras après. Voilà. La nouvelle Sunny Bob. Et voilà. Nouvelle 3DS, nouveau look. Donc, notez bien mon code ami. Alors, par contre, ne me harcelez pas pour que je vous ajoute. Parce que là, je suis pas en vacances. Donc, je vais faire à mon rythme et voilà. Oui. Alors il y a des gens qui sont enregistrés dans la rouge. Il y a par exemple Tomodachi, je fais sur la rouge. Il y a des gens qui sont sur la bleue. Bah maintenant il y aura des gens sur la rouge aussi. Et puis bah, en fonction des. Ah vu, je me suis trompée. Des consoles que je prendrai, bah voilà. Là faut que je sois. Il y aura des amis différents dessus. Voilà. Alors, Jodie, si tu regardes cette vidéo, si tu peux m'ajouter, s'il te plaît, sur celle-là. Là, c'est toi.
Voilà, et puis bah, Alexis aussi. Ça, c'est sûr que tous les deux, vous serez dans ma liste d'amis. Et puis, bon, je pense à d'autres, mais il y a Mister Dickstar par exemple, ou d'autres. Ah non, Mister Dickstar, il a plus de 3DS, je crois que c'est lui qui a plus de 3DS. Enfin voilà, Jodie et Alexis, tu pouvais me rajouter déjà direct. Pourquoi il y a plus de 3DS? Alors, pour les autres, je vous explique. Vous m'ajoutez d'abord, et après, vous m'envoyez votre code et votre pseudo. Et si quand je vous ajoute, ça fait pas gling-gling. Et si vous m'avez pas ajouté d'abord, je vous rentrerai pas quoi. Voilà. Parce qu'après je me retrouve avec des gens qui me rajoutent jamais. Enfin bon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, ça fait de la place aux autres quoi. Donc d'abord vous ajoutez mon code. Après vous m'envoyez le vôtre et je vous ajoute éventuellement. Mais encore une fois, restez zen et je vous promets pas que je vous ajouterai, mais j'essaierai de voilà d'en ajouter certains. Comme ça, il n'y aura pas de déçus, il n'y aura que des contents. Bon. Commentaire. Nous. Vous. Look. Voilà. Là, déjà une notification. mais je sais pas l'écrire comme ça, moi. C'est quoi ça? Il y a écrit quoi là? La date de naissance. Tiens-moi De le moi. papier. De moi. Comme ça. Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent au début? D'accord. Et là, là aussi. Ça. Quoi? C'est quoi ça? Bah, tu attends un peu là. Ok. Alors maintenant, on va rentrer le code de Super Smash Bros. Alors, je fais une grosse, grosse dédicace à Teddy, à Mister Sushi et à Michael Rosset qui m'ont envoyé donc, qui m'ont proposé leur code. Ah! Mettre déjà une mise à jour, alors on y va. Enfin, déjà, c'est normal si ça fait un an que je l'ai. C'est cool que. C'est normal que. Il y ait une mise à jour, donc on va patienter un petit peu. Mais ça, faut l'envoyer à toi. Oui. Alors, fais voir, rien. C'est quoi, il écrit quoi là? Et j'ai pas dit que je t'abonnais, hein. Je sais. Voilà. C'est combien? Il y a Léa qui veut s'abonner. Ah, je peux montrer? Oui, c'est Disney Girls parce que j'ai le premier numéro, mais j'ai pas les autres. Ça peut être ton cadeau pour ton livre et de l'année dernière, ça, si tu veux. Ouais. Ouais? D'accord. Tiens, tu me rebouches mon crayon. Oui. On va s'en occuper après. Je te redonne. Je te ferai un chèque. Youhou! C'est gentil. Ah, c'est tout à bien travaillé. Hein. J'ai toujours pas fait à Léa le cadeau pour son livret du mois de juin. Donc voilà, je vais l'abonner à Disney Girls. Je vais même. En plus, la maîtresse a voulu qu'on amène un classeur à nous en classe et je vais gagner un classeur. Par contre, je vais avoir deux fois la pochette. Mais... Et je vais avoir deux fois la trousse aussi. Bon alors, un mise à jour. Bah comme ça, moi j'aurai une poche pour les dessins. Bah oui. Alors, pendant ce temps-là, excusez-moi. Hein? Et Je vais vous moi. dire les jeux que j'attends le plus. Attendez. Attendez. Ah, on a vraiment chopé la crème. Donc, il y a voilà. Disney 2.0, ça c'est Léa qui attend ce jeu-là. Ah oui. Disney Infinity 2.0. Ah oui, c'est Marvel. Super-héros. C'est les super-héros 2.0. C'est celui avec les super-héros. Alors, je sais pas sur quel support par contre on va se le prendre.
sur quelle console t'as envie d'y jouer? Moi je dirais s'il existe sur la PS3, sinon je dirais sur la Wii U. Sur la Wii U? Oui. Parce que je crois qu'il est sorti sur la Wii U. Enfin non, il n'est pas sorti, parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort bientôt là. Oui, mais l'ancien là où il y a où on peut mettre VDOP et tout, là il est déjà sorti, il est sorti sur Wii U. Mais je pense que PS3 c'est peut-être mieux parce que Wii U, du coup, si tu joues sur la Wii U, moi je peux plus utiliser l'ordinateur. Ouais. Parce que le problème c'est que j'ai branché la Wii U sur l'écran de l'ordi. La PS3 elle est à côté dans la gaming room et la PS4 elle est en bas dans le salon. Avec la Xbox. Avec la Xbox 360. Ouais. Il y a toutes les consoles en fait. Non, il manque la Xbox One, mais je suis pas pressée. Ouais. On n'a pas fait toutes les consoles. Alors, donc, après, j'ai l'intention de me prendre dans l'ordre Theatrhythm Final Fantasy sur la 3DS qui sort le 16 septembre. Ensuite, Hyrule Warriors sur la Wii U, 19 septembre. Fantasy Life sur la 3DS, celui-là je l'attends beaucoup, le 26 septembre. C'est sur quoi, la 3DS. C'est une. C'est un jeu de gestion comme un peu. C'est quoi la gestion aventure comme ACNL. Arrête ça. Hein? Arrête ça. Ensuite, donc le. Ah oui, il y en a un qui est déjà sorti que j'ai pas pris encore, mais que. Léa, si c'est pour faire ça, tu vas ailleurs parce que non, tu ne peux pas faire ma vidéo là. Il y en a un qui est déjà sorti sur la Vita qui m'intéresse bien, c'est Danganronpa 2. Et le Super Smash Bros, évidemment, qui sort le 3 octobre. Voilà. Je sais pas si vous. Quels sont les jeux que vous attendez le plus? Si j'en ai oublié, là, je sais pas. Enfin, moi, pour moi, c'est ceux qui me tentent le plus, là. Voilà. Dans le mois de septembre, octobre. Alors, on va attendre la fin de la mise à jour. Donc après, là, cette vidéo, je vais essayer de me préparer vite fait. On va aller à Cache. Voilà. Ah oui, dans les jeux que j'aimerais avoir aussi, je voudrais compléter ma collection d'Inazuma Eleven parce que c'est des jeux qui sont faits par le studio Level 5, ceux qu'ont fait les professeurs Layton là, les derniers, et ouais, je crois pas qu'ils les aient tous faits, mais si, dites-moi, peut-être je me trompe, et puis surtout Ni no Kuni. Voilà. Que j'ai d'autres à vous raconter en attendant le chargement de la mise à jour. Ah oui, si le Mega Man 7 qui était sorti sur SNES qui va être en téléchargement sur la Wii U, celui-là aussi je voudrais me le prendre. Ah, et aussi vous verrez sur ma page Facebook, il y a des jeux PC aussi qui me tentent bien. Il y a les soldats inconnus par exemple. Enfin, celui-là, je sais pas si je me le prendrai sur PC ou peut-être sur PS4 plutôt. Et puis, je vous en ai mis d'autres. Il y a le site No Life, souvent ils font des bonnes critiques de jeux. Et il y a des petits jeux indépendants là. Il y en a un, je pense que je vais me le prendre sur PC, mais j'ai plus le nom là en tête. Mais regardez dans les derniers trucs que j'ai mis sur ma page, vous verrez. Voilà. Allez, on est bientôt arrivé. Alors, en ce moment sur ma chaîne, il y a des let's play Destiny sur PS4 en live sur Twitch et puis je vous les mets après sur YouTube. Les Sims 4, mais je continue à vous faire de temps en temps des vidéos donc ACNL où il faut que je refasse ma ville après le départ de Peck. On va lui faire une salle donc dans le musée. Tomodachi, je vous ai mis une petite vidéo il n'y a pas très longtemps.
Voilà, et puis bah, toujours les autres jeux que vous aimez bien, quoi. Donc je ferai de temps en temps des petites vidéos, la nouvelle maison du style, Nintendogs plus 4, Mario Kart 7, etc. etc. Ouais, dans les petits jeux indépendants, il y a Counter-Spy qui est pas mal, que j'ai téléchargé sur la PS Vita, mais que je ferai peut-être sur la PS4 aussi. Voilà. Pokémon. J'ai vu que Jody refaisait l'aventure depuis le début. Moi, c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc Jody, quand tu veux pour un combat, ça pourrait être sympa. Toc, donc ils ont rajouté l'univers. Ok. Allez, on va aller installer Super Smash Bros. Ah, il va me demander, je suis sûre, quoi? de me raccorder là au Nintendo machin truc là. Ça va être galère. Ah, il va falloir que j'aille route. Alors attendez. Oups, donc je rentre. Bon. Il va falloir que j'aille rechercher mon mot de passe. Bah, je vais laisser Léa vous raconter ce. Reprend... Elle va s'occuper de vous pendant que je vais chercher vite le mot de passe. Pourquoi tu vas chercher un mot de passe? Pour me retrouver avec le Nintendo machin. Comme Nintendo. Je te laisse là, Léa, tu je sais pas, tu parles de ce que tu veux. Bah tu. S'il te plaît. Je tiens la DS. Non, j'en ai besoin pour entrer le mot de passe. Ah d'accord. Bah vas-y alors. Voilà. Et moi. Ce que j'ai fait, c'est de la musique. C'est le mot de passe Club Nintendo qui demande ou c'est le mot de passe. Fais voir. Fais voir. A marché. Ce que j'ai fait, c'est de la musique sur le tambour. D'accord. C'est tout ce que j'ai fait. Ben merci à toi.
Alors, nous, on va rentrer un code. Alors déjà, il y a la, si, il y a la démo de Final Fantasy que je voudrais rentrer. Alors, où sont les démos? Enfin, de Theatridom, là, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est beau! C'est beau, quoi? C'est le nouveau truc qui change? Ouh, mais il y a déjà 35 minutes là de vidéo! Ouais! En vrai, ça fait 35 minutes! Oh là là, mon identifiant maintenant! Comme mon identifiant Nintendo Network maintenant, mais c'est long hein, le démarrage d'une console. Là, c'est quoi mon identifiant? J'en sais plus rien. Moi, Nintendo Network et un compte. Je sais plus ce que c'est. Moi, oh là 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 là, bah je sais plus. Mais je suis obligée de faire ça. Créer un identifiant existant. Est-ce que j'en fais un autre? Faut que j'en faire un autre, hein. Ouais. Et c'est vraiment facile, puis par exemple, le temps du boblage, je sais pas moi. Ouais, bon alors attends, on va en faire un autre, j'accepte. Moi ouais, je pensais pas que cette vidéo serait si longue. Alors je rentre ma date de naissance, donc 21-12, le reste vous serez pas. Ah bah comme ça au moins ça va l'air de pouvoir le faire sur YouTube. C'est pas encore passé alors que le jeu il est déjà passé. C'est le boulot, j'en ai déjà fait, il y a après le tien. Donc Île de France, fuseau horaire. Ah ils m'ont mis comme fuseau horaire, c'est trop marrant. C'est quoi fuseau horaire? C'est quoi un fuseau horaire? C'est pour savoir quelle heure il est. Alors, donc, ouais, je crois que Léa a raison, on va mettre... Moi, je t'avais dit, c'est Bob Live. Bob Live. Non, je vais faire comme... Oui. Ah, on peut peut-être pas en mettre trop. Si, c'est bon. Je vais faire comme la PS4, je vous montre. Voilà. Ça va être ça. Et mon mot de passe. Que je vais. Ok. C'est ça. Boule. Je confirme mon mot de passe. La virgule, on peut bien voir. Donc, confirmer l'adresse email. Alors, je continue. Vas-y, il y a une chaise de combien là-dedans? Attends. Ouh, il va falloir que j'arrête ma vidéo là. Euh...
Bah, je vais faire la... Après, je vous ferai une autre vidéo sur Super Smash Bros. Voilà. Bon bah écoutez, donc je pense que ça va être bon, je vous dis au revoir si jamais ça coupe et je vous fais une autre vidéo donc sur la découverte de Super Smash Bros. Parce que du coup là il n'y aura pas assez de place. Encore ? Pourquoi ? Ouais. Allez, je vous dis coucou, à très bientôt, ciao ciao.